Je suis dessus de certains comportements. Hein. Ben oui, je suis déçu. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Je suis déçu, moi. En tout cas, je suis déçu, hein. Franchement. Mais je comprends d'une part. Et d'autre part aussi, c'est quelque chose qu'il fallait s'attendre. Salut à tous. Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Monsieur Sylla Djibril Hadji. Je suis Guinéen de la Guinée-Conakry, Ouest Africa. Je suis de la Basse-Côte. Mon pays comprend quatre régions naturelles, dont la Basse-Guinée, communément connue sous d'autres noms de la Guinée-Maritime, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Donc, nous sommes des Guinéens qui se battent pour le pays. Nous sommes ces Guinéens-là qui se battent pour leur pays, pour leurs frères, qui n'accepteront jamais qu'une ethnie ou qu'un groupe prend autorité sur une autre ethnie ou qu'un groupe prend autorité sur un autre groupe. On l'acceptera jamais. Jamais de la vie. On ne l'acceptera jamais. Jamais. Jamais, hein? Donc tout ce qui est en train de se passer, moi je ne cherche pas de buzz. Je n'ai pas besoin de buzz. Je suis dans le blog il y a des années, presque 7 ans maintenant. Je ne cherche pas de buzz. Je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne. Je ne suis pas quelqu'un qui est jaloux. Je ne me mêle pas de la vie des gens. Je ne juge pas quelqu'un. Je suis un musulman. Je pratique ma religion et j'accomplis mes actes en tant que frère envers mes frères guinéens. Mais en aucun cas, je dis bien, en aucun cas, je ne suis ni contre Paul, ni contre Pierre. L'idéologie de chacun appartient à toi-même. Mais, je vous dis ceci, comme bon nombre parmi vous le savent, je suis engagé pour lutter pour mon parti, qui est le parti l'UFDG, et pour ma Guinée en général. Donc, cette vision qu'on a aujourd'hui et ce que d'autres ne l'ont pas, je ne chercherai pas à rentrer en polémique avec des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des lives, ils ont cité mon nom là-bas. Moi, j'ai parlé sur l'aspect de ce que j'ai vu. Quand j'ai vu les Nyéloi, quand j'ai vu les gens du RPG relayer, c'est-à-dire quand j'ai vu les gens du RPG publier quelque chose au nom, sur le nom de mon parti, avec les photos de la personne qui porte les t-shirts de notre leader, de notre parti, je suis sorti en tant que bon musulman, en tant que bon militant plutôt, en tant que bon militant de mon parti, pour montrer aux RPGistes que cela ne touche nullement l'UFDG et que cela n'a été dit par personne, aucun responsable de l'UFDG, de faire ceci ou de faire cela. Les gens parlent, beaucoup de gens parlent au nom de qui ils veulent. Ces personnes-là ne les ont pas envoyées pour parler en leur nom. C'est vrai. Maintenant, moi, je vous dis ceci. Je vous dis ceci et je le réitère encore. Quiconque, parce que ce que les Guinéens oublient, ce que les Guinéens ne savent pas aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des Guinéens, pense que c'est toute la communauté Fulbe qui est pour l'UFDG. Pour d'autres Guinéens aujourd'hui, pour les Soussous aujourd'hui, pour les Malinké aujourd'hui, dès que tu entends lui, c'est un peuple, il dit que lui, il appartient à l'UFDG.
Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas toute la communauté qui est pour ces loups. Toute la communauté ne soutient pas ces loups. La preuve en est qu'il y a une partie de la communauté aujourd'hui qui est opposée automatiquement à ces loups, au plan de ces loups, qui sont en train de tout manœuvrer pour salir ces loups, pour faire descendre l'UFDG. Mais, je vous dis qu'en aucun cas, nous, ce que nous sommes en train de défendre, nous sommes en train de défendre l'image d'un parti politique. Nous sommes en train de défendre l'image d'un pays. On ne parlera pas au nom d'une personne, on ne parlera pas au nom d'une communauté. Nous parlerons au nom de notre parti et au nom de toute la Guinée. C'est ça le slogan de notre président, unir et servir. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il veut aller faire la guerre en Guinée, ça n'engage que toi. Va te former. Tu prends tes bagages, tu prends tes armes, tu vas aller faire la guerre en Guinée. Oui, beaucoup se basent sur l'aspect que les corboyards, les images des RPGistes ont des armes. C'est grave ça. Les corboyards, ils sont soutenus par ces gens-là. Moi, j'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Tu peux faire ta résistance. Tout le monde peut faire la résistance comme il veut. J'ai fait la prison et je sais ce que j'ai vu. J'étais avec des vieux, des enfants et j'ai vu comment les jeunes mouraient. Toute cette justice-là, Dieu ne dort pas. Dieu la rendra. Donc, si un groupe d'extrémistes qui se réclame de la communauté Fulbe, moi, je ne vais pas attaquer toute la communauté Fulbe parce que je suis dans un parti aujourd'hui qui a le président qui vient de cette communauté. Quelle que soit ma colère ou quelle que soit ma déception, je n'accuserai pas ou je me tournerai pas contre cette communauté. Pourquoi ? Parce que j'ai défendu cette communauté et je le défendrai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes conscients de cela depuis la Guinée et Guinée. Ce truc d'ethnocentrisme est commencé par le premier régime, le feu Ahmed Sékou Touré, en disant aux Guinéens, chacun n'a qu'à étudier sa langue. C'est là-bas d'abord que la Guinée est divisée. J'ai parlé dans mes précédents lives. Vous les avez vus. Quand je parle d'ailleurs, moi je touche toutes les couches, que ce soit la basse Guinée, la haute Guinée, la moyenne Guinée, la Guinée forestière. Je vous ai dit la dernière fois ici, quand vous partez en Europe, quand vous partez en France, quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les organisations de la basse côte, les organisations de Fouta, les organisations de Konya, les organisations de la haute Guinée. Pourquoi pas une organisation unie, la Guinée? Parce que le problème ne vient pas de là. Le problème vient de la base. Le commencement. Les dirigeants qu'on a eus. Maintenant, qu'est-ce que nous, la jeunesse moderne guinéenne, conscient, doit se mettre en tête aujourd'hui? On doit se battre pour qu'on soit unis, pour que cette cohésion sociale qui était entre les Guinéens soit rétablie. Nous, on se bat pour ça. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne serai jamais contre quelqu'un. Je ne suis pas un jaloux. Je ne me mesure pas à quelqu'un. Je défendrai mon parti jusqu'à mon dernier souffle. Et je défendrai mon président jusqu'à mon dernier souffle. Donc, moi, je suis sorti pour préciser avant-hier, parce que j'ai vu des RPGistes qui parlaient sur la photo de la personne qui a mis ces photos avec des armes en mettant le nom de mon parti dedans. Et que beaucoup de Guinéens, la majorité d'ailleurs, sachent que cette même personne porte ou a parlé au nom de notre parti qui est l'UFDG. Il faut qu'on accepte cette vérité-là. Il faut qu'on l'accepte.
Il faut qu'on accepte. Les RPG sont sortis ici avec des armes. Ils ont barré la route à notre président de ne pas rentrer en Haute-Guinée. Ils sont sortis. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo qui a été très virale. J'ai attaqué Alpha Condé, j'ai attaqué les gens du RPG et j'ai montré les photos à des militants qui étaient en train de danser, des donzos qui étaient en train de danser. C'est à cause de ça qu'on m'a arrêté et c'est à cause de cette vidéo même qui était à la base. C'est vrai, nous autres aujourd'hui, nous sommes peut-être pour ces extrémistes. Ce n'est pas toute la communauté Fulbert qui soutient l'UFDG. Hein. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête. Ce n'est pas toute la communauté Fulbert qui soutient ces loups. Donc, ces extrémistes qui ont ces idées de salir l'image de ces loups en disant qu'il a peur, il ne peut pas, passeront par tous les moyens. Pour ces extrémistes, nous autres qui ne sommes pas des peuls, ils nous considèrent comme des espions dans l'UFDG, alors que c'est eux-mêmes des espions. C'est-à-dire, nous autres qui ne sommes pas de leur communauté, pour ces extrémistes, ils nous considèrent comme des espions. Ils vont aller raconter des choses à nos responsables. Il ne faut pas leur faire confiance, il ne faut pas les écouter, il faut les éviter. Oui, alors que on sait que les Mouktar Diallo, c'est issu de la communauté Fulbert. Comment les Ba Ousmane, c'est issu de la communauté Fulbert. Et il y a beaucoup qui sont de la communauté Fulbert qui sont en train de travailler avec ce régime sanguinaire, qui sont même complices des assassinats de leurs propres frères. Donc, si vous voulez faire la guerre en Guinée, vous êtes libre de faire la guerre en Guinée. Moi, je ne m'oppose à personne. Je ne suis contre personne. Mais je suis contre l'idée de quiconque sortira pour salir l'image de l'UFDG, pour salir l'image du président de l'UFDG ou pour salir l'image d'une communauté qui ne veut que instaurer la vraie démocratie dans son pays. Je l'ai toujours dit. Les autres, les RPGistes ou certains de mes parents de la basse-côte me traitent toujours, tu défends les peuls, tu les défends ceci, tu dis cela, un jour tu le verras. Un jour tu le verras. Ils m'ont toujours dit cela. Mais j'ai dit, moi, je ne défends pas les peuls, je défends la justice. Parce qu'on sait, depuis le premier président, jusqu'au présent maintenant, là, combien de fois cette communauté a subi, combien de fois cette communauté a été marginalisée. Mais Dieu a répondu ça aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui en Guinée, qui a l'argent plus que les peuls? Aujourd'hui en Guinée, qui a les belles maisons plus que les peuls? Aujourd'hui en Guinée, qui peut faire un gros financement? Malgré tout, les autres sont affichés. Il y a les Antonio Soare, il y a KPC, il y a les Maturin. Mais il y a des peuls aujourd'hui en Guinée qui sont 10 fois plus riches que les KPC, les Antonio Soare. Mais ils sont assis, calmes, tranquilles. Maintenant, si vous vous dites, vous voulez faire la guerre, on veut que ce truc de les tueries, on veut se venger. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Vous communiquez à votre nom. Vous êtes libre de le faire. Au lieu de parler, tu peux même prendre l'avion, tu pars en Guinée ou tu prends... J'ai vu un gars qui parle mon nom dans sa vidéo en disant « Djibril, laisse le petit, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, tu es dans ta politique, fais ta politique. » Oui, nous sommes dans notre politique. Et je dirais à qui veut l'entendre, nous nous sommes sacrifiés pour cette cause. Et on acceptera, je dis bien, on acceptera
pour qui que ce soit, tu viens salir, tu viens prouver encore. Parce que la majorité des communicants du RPG qui sont en train de communiquer sur cette affaire, ils ne parlent pas du nom de la personne, hein, même s'ils disent le nom de la personne, mais ils mentionnent toujours l'UFDG. C'est ça le bas blesse. C'est ça le bas blesse. C'est ça le bas blesse. Parce que pour eux, tout le monde, toute personne qui parle Poulard aujourd'hui, il est de l'UFDG. Toute personne qui est poulevé aujourd'hui, il est de l'UFDG. Alors que il y a ces extrémistes aujourd'hui, la majorité, qui sont dans un petit coin, qui sont en train de compléter contre l'UFDG pour passer par tous les moyens pour faire descendre l'UFDG, son président. Donc, je dis et redis à toute personne qui va aller dire mon nom dans ces lives encore. Moi, ma vision, c'est celle que j'ai vue que le président de l'UFDG a dit et redit aux Guinéens. Son but, c'est d'unir et servir la Guinée. Son but, c'est de servir la Guinée et les Guinéens. 1.1000 tiré. Donc, nous sommes conscients, quand Sékou Touré était aux affaires, le camp Boiro, il y a eu des sous-sous qui sont morts. Oui, il y a des sous-sous, des sœurs, des tantes à moi qui ont perdu leur papa. Beaucoup de peuls sont morts au camp Boiro. Beaucoup de riches, quand tu avais même un petit sou, sont morts. Maintenant, celui qui est en place, au pouvoir maintenant, combien de fois, on sait qu'il est impliqué dans plusieurs tentatives pour déstabiliser la Guinée. Combien de fois? Presque toutes les tentatives pour déstabiliser la Guinée, il est dedans. Mais, quand vous le dites aujourd'hui, il dira toujours, ce n'est même pas un débat qu'on va lui dire qu'il va accepter d'entrer dedans. Il n'y a pas longtemps, un de ses ministres a mentionné que réellement, en 2000, Alpha Condé a été arrêté à Coulé. L'un de ses anciens ministres, K.O. Carré a écrit un livre en mentionnant que réellement, Alpha Condé a été arrêté à Coulé en 2000. C'est ce qui veut dire qu'il faisait partie des rebelles qui voulaient rentrer en Guinée pour déstabiliser le pays. Qui a vu un RPGiste depuis que le RPG est créé? Qui a déjà vu un RPGiste relayer cela, dire que nous avions eu des armes? Notre président, il a créé un groupe de mercenaires, il a créé un groupe de bandits, il a créé ceci, il a créé cela. Qui a vu un RPGiste le dire? Il faut qu'on accepte la vérité. Il faut qu'on ouvre nos esprits. Il faut qu'on comprenne que cette Guinée n'appartient ni à Paul, ni à Pierre. Cette Guinée appartient qu'aux Guinéens. 1.1000 tiré. Aujourd'hui, les plus riches en Guinée, c'est qui? C'est la communauté Fulbert. Je vous raconte une anecdote. Un jour, Alpha Condé voulait sortir du pays. Il avait besoin de l'argent. Parce que son voyage était... C'est un voyage qui était venu à la dernière minute. Il avait besoin de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Il a demandé, on peut avoir les 10 millions d'euros là avec qui? Ils ont appelé un peul, je ne dirai pas le nom de la personne. Ils ont appelé un peul qui a fait sortir 10 millions d'euros qui n'est pas dans une banque. Il est parti faire sortir 10 millions d'euros dans son coffre fort. Il a prêté à Alpha Condé. Après, on l'a remboursé.
le lendemain ou le surlendemain, parce que c'était un week-end. Maintenant, toute personne qui veut aller faire la guerre en Guinée, nous, on ne veut pas la guerre en Guinée. Je le dis et le redis. Nous ne passerons pas par les armes pour avoir le pouvoir en Guinée. Tu veux aller faire la guerre en Guinée? Lève-toi, tu vas faire la guerre en Guinée. Mais n'associez pas le nom de notre parti, le nom de ce parti que beaucoup de gens se sont sacrifiés pendant plus de 13 ans, pendant plus de 15 ans. Beaucoup de gens se sont sacrifiés. Nous, nous venons d'arriver dans le parti. Mais, rappelez-vous, combien de personnes sont mortes de la première personne qui a pris le bal pour le président Elhaji Mamadou Sello d'Alain Diallo, quand on voulait tirer sur lui en 2011, lors de la manifestation, cette première personne qui s'est sacrifiée, le petit, il a pris la balle à la place du président Elhaji Mamadou Sello d'Alain Diallo. Rappelez-vous à cela. Rappelez-vous à cela. Beaucoup de gens se sont sacrifiés pour cette cause. Et ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, je comprends d'une part. C'est pourquoi j'ai dit au début, je comprends d'une part. Parce que beaucoup ne sont pas dans les bureaux politiques de l'UFDG. Beaucoup ne sont pas informés. Les combats, c'est-à-dire les combats internes que ce parti est en train de mener aujourd'hui à travers ses sanctions vers les députés de l'Union européenne, en passant par les députés de l'Union européenne pour ce régime sanguinaire, c'est un combat de longue date. C'est un combat des grandes réunions. C'est un combat de milliers de réflexions. C'est un combat de sacrifices. Imaginez tout ça là. Certaines personnes veulent sortir pour salir ça. Certaines personnes veulent sortir pour dire que c'est sorti comme si c'est sorti comme ça. Moi, je suis et demeure défenseur de la Guinée. Pour les Guinéens, je ne défendrai pas ma communauté contre les autres communautés. Si je vois aujourd'hui un Konyanké qui est en train de se faire battre par les autres ethnies, je défendrai le Konyanké parce que nous sommes tous des Guinéens. Aujourd'hui, cette communauté Fulbe est marginalisée, est piétinée par ce régime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres ethnies qui sont mortes lors des manifestations, mais la majorité, c'est la communauté Fulbe. On connaît cette vérité, on l'accepte. Mais quand quelqu'un fait l'erreur et qu'on dise cette vérité, il faut qu'on l'accepte aussi. Même s'il vient de chez nous, même s'il est notre frère, même s'il est de nous, même si c'est ton fils, la vérité reste la vérité. Il faut qu'on l'accepte. 1.1000. C'est dans cette vérité-là que nous pourrons avancer. C'est dans cette vérité-là que les autres verront en nous que vraiment nous voulons unir et servir la Guinée. Que vraiment nous voulons servir la Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup le disent dans les commentaires ici, beaucoup le disent sur les réseaux sociaux. Le peuple ne sera jamais au pouvoir en Guinée. Le peuple ne sera jamais au pouvoir en Guinée. C'est à cause des paroles de certains extrémistes qui sont dans cette communauté, qui ont des idées Kodak, qui ne pensent qu'à leur réflexion. Tu veux faire la guerre? Prends tes armes, prends tes milices, va aller faire la guerre en Guinée. Mais n'associez pas cette communauté à cette idéologie satanique. N'associez pas un parti qui n'a jamais eu cette idée. Si ce parti avait eu cette idée-là, hein? Ça aurait été fait depuis longtemps. 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 Maintenant, si ça te plaise ou pas d'accepter la vérité, ça n'engage que toi. Mais ce que je vous dis, moi, en tant que Guinéen militant de l'UFDG,
J'ai dit, j'ai fait la vidéo. Je suis sorti pour parler, pour défendre mon parti. Parce que j'ai vu des RPGistes qui ont mis la photo de la personne avec des t-shirts de l'UFDG en disant que c'est l'UFDG qui l'a envoyé. J'ai défendu mon parti et j'ai fait mon droit de bon militant. Mon droit de bon militant. Et si les gens sont en train de dire « il a raison », ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. C'est votre idéologie. Et ce que je suis en train de vous dire, la Guinée aujourd'hui, ce que nous cherchons, nous cherchons à unir la Guinée. C'est tout. Nous cherchons à unir la Guinée. Donc, nous ne sommes pas contre une personne, nous ne sommes pas contre un groupe, nous ne sommes pas contre les idéologies de qui que ce soit. Tu veux faire la guerre, va faire la guerre en Guinée. Tu veux, tu es fâché, ok, il n'y a pas de problème, va faire la guerre. Nous sommes tous conscients que la communauté Fulbe a donné beaucoup. Nous sommes tous conscients de ça. Wallah billah, les Guinéens sont conscients de ça. Nous sommes tous conscients de ça. Mais de grâce, ne continuez pas à donner plus de haine au nom de cette communauté. Ne continuez pas à donner plus de haine au nom de cette communauté. Pour l'amour de vos parents, pour l'amour de vos parents. Wallah billah. Tout ce que Dieu a écrit pour l'être humain, tu ne partiras pas sans l'avoir. Tu ne partiras pas sans l'avoir. Tu ne partiras pas sans l'avoir. Donc, que cela soit clair pour tout un chacun. Tu veux aller faire la guerre en Guinée? Va faire la guerre en Guinée. Tu veux aller tuer des gens? Tu veux aller tuer Alpha Condé? Va tuer Alpha Condé. Nous, la politique pour nous, c'est de dire la malgouvernance, d'unir les gens, d'aider les Guinéens à s'entendre, d'aller ensemble sur la même voie. C'est ça la politique pour nous. Tu veux faire la guerre? Va faire la guerre. Vous voulez faire ce que vous voulez? Allez faire la guerre. Mais je suis déçu. Je suis déçu, franchement. Je suis déçu. Mais c'est pas grave. Tôt ou tard, on saura qui avait raison. On le saura. Aujourd'hui, beaucoup s'agitent, beaucoup parlent. Mais tôt ou tard, on saura qui avait raison. On saura que qui avait raison. On le saura. Ça, c'est clair et net. On saura que qui avait raison. Oui. Je vous aime, mes frères et sœurs guinéens. Ensemble pour une Guinée unie. Ensemble pour élire notre président qui a remporté les élections de 2020. Ensemble pour l'épauler. Ensemble pour le soutenir. Ensemble pour l'aimer, lui et sa famille. Ensemble pour s'aimer, nous les Guinéens. Main dans la main, unis, Malinké, Beul, Soso, Forestier, ensemble, détruisons l'ethnocentrisme que Alpha Condé a instauré en Guinée en disant que j'ai pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Ce mot d'Alpha Condé dit réellement qu'il a envoyé, il est en train de terminer le travail d'ethnocentrisme que Sékou Touré a planté. Oui, en disant aux Guinéens, j'ai pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Ça veut dire, je vais terminer là, l'ethnocentrisme que Sékou Touré a planté, je vais continuer sur ça. Parce que c'est Sékou Touré qui a dit aux Guinéens, chacun étudie sa langue. Et c'est ce qui suit la Guinée aujourd'hui. Il faut qu'on accepte cette vérité. Il faut que la Haute-Guinée accepte cette vérité. Il faut que la Haute-Guinée accepte cette vérité. Quand la Basse-Côte est venue au pouvoir,
Conte, il n'a pas travaillé. C'est ça la vérité. La Guinée manquait de courant. La Guinée, il n'a pas travaillé. Mais Conte a uni les Guinéens. Il a uni les Guinéens. Le premier travail du feu général Lansana Conte, quand il est venu au pouvoir, il a fermé le camp Boiro. Il a ouvert les détenus qui étaient au camp Boiro. Il a dit, nous sommes tous des Guinéens. Ces 24 ans de règne, il a fait avec toute la Guinée. Il n'a pas eu cette idéologie-là. Donc la Haute-Guinée est encore venue continuer le travail de la Haute-Guinée qui avait commencé cette division. Et nous, les enfants de la Basse-Côte, on suit l'idéologie de notre leader qui est le feu général Lansana Conte en disant que les Guinéens, nous sommes pareils, nous sommes tous les mêmes. Peul n'est pas mieux que Soussou, Soussou n'est pas mieux que Peul, Malinké n'est pas mieux que Soussou, Malinké n'est pas mieux que Peul. Conte, ses 24 ans de règne, il a fait, il a uni tous les Guinéens, malgré il n'a pas travaillé. Il faut qu'on accepte cette vérité. Il n'a pas travaillé. Il n'a rien fait. C'est-à-dire, il a laissé la Guinée aux Guinéens. Beaucoup sont devenus riches dans ça. Beaucoup ont eu de l'argent dans ça. Et si ce régime sanguinaire aujourd'hui vient encore nous diviser, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons unis, nous autres là. Il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons unis pour ça. Il faut que nous soyons unis. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous ouvre les esprits. Moi, je ne suis contre personne. Je ne serai jamais contre personne. Sortez, dites tout ce que vous voulez. Je ne bloquerai personne. Mais ce que je vais vous dire, cette vérité reste et demeure. L'avenir nous dira qui avait raison. L'avenir nous dira qui avait raison. Un point m'étiré. Tu vas aller faire la guerre en Guinée. Lève-toi, tu vas faire la guerre en Guinée. C'est tout. Mais n'associez pas le nom de notre parti sur ces futilités, sur ces conneries. Un point m'étiré. Donc, c'est ces mots que j'avais à vous dire. Et toute personne qui n'est pas de mon idéologie, c'est ta façon de réfléchir. Ça n'engage que toi. Je ne t'en veux pas. Je ne te détesterai pas. Et je ne t'en voudrais pas. Parce que c'est ton idéologie. Mais moi, mon idéologie, c'est ce que je suis en train de te dire pour que tu comprennes. Nous sommes tous des frères de la Guinée. On restera ensemble, quoi qu'il arrive. Partout où nous sommes, on nous appellera les Guinéens. Donc, pour la Guinée, je dis bien, pour la Guinée, qu'Allah nous donne la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, et qu'Allah nous donne la force de faire partie de ce régime sanguinaire. Il y a un dicton blanc qui dit que la réponse, c'est-à-dire la victimisation est une faiblesse. La victimisation est une faiblesse. Oui, la victimisation est une faiblesse. Sékou Touré, il a fait 26 ans au pouvoir. Avec tous les meurtres qu'il a commis, il est parti. Conte est venu. Il a fait 24 ans. Il est parti. Alpha, il est là. Juste 11 ans. Les gens sont en train de mener le combat. Malgré qu'il est pire, encore plus pire de tous ces autres-là, Alpha partira. Et ça, c'est pour bientôt. Pour bientôt. Ça, c'est pour bientôt. Il sait qu'il est à l'agonie. Alpha va partir. Maintenant, quand Alpha va partir, cette majorité que des gens sont en train de faire comprendre pour que ces gens-là soutiennent, pour que les idées d'ethnocentrisme quittent dans la tête des gens, cette majorité que nous cherchons à convaincre pour venir
soutenir la vérité. Il y a des gens qui sortent pour dire on veut faire la guerre. Allez faire la guerre. Allez faire la guerre. Allez faire la guerre.